dame et tout qui monsieur là-dedans. Mais on veut que mesdames aient percé, même gens que monsieur a percé déjà. Donc, grand pile d'efforts pour faire là pour arriver, mettre monsieur en jambe. Pas dire mettre à côté, non, mais au moins arriver dans le même niveau, si possible, avec eux. Il y a des gens qui sont là, des gens qui étaient participés, bon. Plus qu'à être très content, mais il y a plus d'efforts encore pour faire. Bon, très certainement, l'année prochaine, l'année de Genap organisé 20e édition, très certainement, on a gagné un meilleur line-up que ça n'a gagné. Et, Anissa, mais son soir a été commencé. C'est vrai que le commencé tard. Bon, il tout dit, ah, il sait pas, on commence à y aller. Mais il était fini juste à presque 4h du matin. Il est fini, la madame était là et nous étions en direct. Donc, au même temps, ouais, ça s'est passé exactement. Nous voyons dans la nouvelle lieu, et bien, États-Unis a annoncé à partir du 12 avril la suspend et retiré américain quelqu'un en Haïti. Vous savez que ça a les évacuations. Il y a suspend évacué américain qui a vu en Haïti. Donc, sous qu'on est que, ou là, ou besoin de déplacer, mais c'est Kounia pour faire. Et parce qu'à partir du 12 avril, et pas bien ça encore. Bien Canada, tout le même, qui continue évacuation la main, ils ont bâillé que l'ambassade canadienne, c'est bien, t'as fait comprendre que, Canada va un plan comme si pour le temps louer avion, vin prendre mon autre cochon et les États-Unis font. Mais alors, dans les États-Unis, faut qu'on arrive au Cap pour capable aller parce que jusqu'à présent, Port-au-Prince fermé et compagnie qui desservit capitale là, mais trois majeures compagnies qui desservit capitale là pour aller aux États-Unis, mais eux-mêmes, ils ont campé, ils ont dit qu'ils ont campé jusqu'à nouvel ordre. Donc, il y a tant pour situation améliorer. Donc, mais jusqu'à présent, pour gagner qui améliorer, donc, conseil supérieur présidentiel là, voilà, les conseils et présidentiels là, et bon, conseil là, semblé finalement, ils ont fini de préparer un document, document qui acteur qui fait partie, qui est représentant dans le conseil là, mais acteur ça, il y a un groupement politique qui est ensemble, il prépare un document, et question de document qui définit rôle avec mission conseil là, qui ça conseil après le faire, après, qui ça le faire, les fin installé, et qui type de mission qu'il peut gagner, et alors une mission gagne deux, trois bagages que vous retenez là-dedans, c'est d'abord organiser les élections qui sont dernières, et puis une conférence nationale qui a organisé tout, et puis tout, il y a tout formation gouvernement, il y a tout nomination premier ministre, alors premier ministre, c'est même l'absorti, on poule de 15, il y a 15 candidats que parti concerné a voué, et puis ils ont même a réuni et puis ils ont désigné selon les critères qu'ils ont mis en place pour qu'ils aient pour le premier ministre et les salaires finis, le gouvernement formé et puis le premier ministre a gouvernement a actuellement parlé. Mais pour qu'on y a et tout document qui fait c'est document provisoire ou bien encore c'est pas qui dans la rue mais pour qu'on gagne qui officiel seulement il dit que je n'ai encore je ne prépare un document que vous voyez par CARICOM. Bon. C'est carré comme doit approuver le nouveau connaît, mais en principe, et une fois que pas eu aucune difficulté dans le dossier ça, ou bien un document, eh bien, bon, document pour aller, et l'a publié dans le journal du Moniteur que pour qu'on fait. Mais qui est-ce qui peut faire qu'on y a? C'est le gouvernement intérimaire, ou bien le gouvernement démissionnaire, c'est lui pour faire. Donc, pour le monde qui comprend qu'Ariel a allé, Ariel, pourquoi aller, Ariel là toujours. Il a toujours là, je parle toujours là, je fais partie, je parle. Et il a tenu compte de ça. Il y a un architecte, Lucie Voltaire, qui se représente en Lavalas, dans le conseil présidentiel là. Et bien, lui-même, lui dit que, et, il parlait de quatre entités qui doivent réunir pour préparer sa installation, ou bien, installation, conseil présidentiel là. D'abord, pas national, un protocole, gain primatique, un protocole, ministère affaires étrangères, un protocole, et conseil présidentiel, un protocole. Donc, il y a déjà, c'est un paquet de quantité de monde, et il passe en dégâts, c'est place, pour tout invité au tabini. Donc, ça, il dit que, il y a un bruit que t'as parlé, pour te demander, et pour, co-cassation, qui toujours, on débat sur les bases, c'est un groupe, monde qui est d'accord, et qui a milité pour que c'est co-cassation, c'est pour présider, conseil là, pour présider et conseil de transition. Donc, mais jusqu'à présent, on n'est pas fin clair toujours. Bon, en principe, mais conseil présidentiel là, il est censé gagner dessus parce que justement, il a avancé. Mais là, on va continuer à battre tambour pour que ces présidents, c'est dans le cours de cassation pour le sortir. Bon,
Conseil ça a une mission d'après document qui publie la commission 22 mois. 22 mois et il dit que le 7 février 2026 monsieur de faire malette à faire autre que au grand président que pas grand président que grand pouvoir il doit aller parce que il dit que mandat pas renouvelable. Donc c'est là et tout bas enfin, donc mais nous dit que conseil là parle qui pour faire qui ça. En plus de nomination premier ministre et pour dissoudre un gouvernement, il parle former un conseil, un autre comité interdépartemental qui était censé parler du rôle parlement qui pour voyager sous travail conseil là. Ensuite, il parle organiser conférence nationale et conférence nationale, il semble même gain parole qu'a parler pour que font passer mais dans la constitution amendée ou bien mais puis après, on va se mettre là-dedans. Ensuite, les trucs, ça finit. Et les élections, tout ça, le fait, dans 22 mois. Dans, il y a une autre nouvelle qui parle tout, il y a fait une inscription qui t'a l'ouvrir là tout pour le monde qui t'a fait le travail. Et avec, mission police qui est pour aller en Haïti à tout, oui. Et surtout, c'est médecins, mon nom, et secteur santé. Donc, on y a une inscription qui t'a fait. Donc, cherchez qu'on est, on connaît, et sous besoin, on est intéressé pour aller inscrire, et puis, pour inscrire côté inscription à fait là et que ça va soumettre document nécessaire et que ça va pour le travail parce qu'il y a besoin. Donc pour ça qui concerne avec déploiement et police internationale là, eh bien la marché et bah on va parler tellement Kenya antigen et ralenti même s'il y a préparatif alors Kenya toujours en tête. Mais nous dit que et il s'est semblé d'après ça que résolution Nations Unies hein, et mission ça a duré 9 mois et il t'a semblé que déjà il y a 6 mois passé sur lui. Donc il y a une grosse question qu'a posé là, est-ce que va les renouveler etc. Est-ce que mandat fini sans que mission va jamais aller en Haïti. Donc c'est une grosse question qu'a posé. Mais je te dis que pour faire partie du conservateur, c'est pour d'accord avec déploiement mission en Haïti. Donc après monde qui en plus monde qui est en dedans conseil là et ou bien pile parti politique qui est représenté dans conseil là. Il était au début, il campant quoi contre l'idée pour des grandes forces multinationales dans le pays. Eh bien, il dit rien de conseil. Ça veut dire que tacitement, il était d'accord à ce que pour le département fasse ça. Donc c'est comme sa situation. Il dit donc jusqu'à présent, décret a beaucoup publié, Donc conseil là, lila l'attendre que publie décret ensuite pour l'installation. Mais d'après ça, Chité que les Voltaire dit bon pratiquement vendredi ça t'a de fait et samedi ou lundi éventuellement il t'a de gain un premier ministre qui capable une fille ou bien un garçon, ça dépend de qui en ces candidats gain et puis après ça pour former. Donc pour pays a commencé marcher. Donc c'est élanoué. Pendant ce temps, et tension a toujours existé, toujours dans Port-au-Prince, pas tellement provincial, non? Dans Port-au-Prince surtout, côté que Negame continue à lober, voyez, mettre des faits, attaquer institution de en date de c'est JB Damier. Pour qui par contre JB Damier dans une zone tout préparée nationale, quoi qu'il est après, oui des miracles, entre des miracles, il veut parler, c'est ça? Hein? Oui, Montale. Dans le Montale, tout droit. Donc, c'est après, oui, Demirac et oui, Pavé. Dans la zone salée, soit descendre par le bon pays national, il soumet droit. Donc, là, on aller. Donc, dans le Montale. Monsieur, il me dit, fait au pied. Alors, monsieur, c'est pas pied. C'est bail qui rentre dedans. Bail, ça, il cherche à prendre un coup bail électronique, ventilateur. Je pas si prend chaudière, mais au moins, il prend tout ça que je suis capable de vendre après. Parce que monsieur, besoin l'argent lui-même, il fait. Et puis, au nouvel de rapporter tout, monsieur, allez, il a attaqué un poste. Un poste que j'étais attaqué déjà à bon repos, qui était abandonné. Et bien, monsieur, venu avec un gros tracteur, ou bien un gros bulldozer, ben, il a crasé le net pour finir. C'est pour montrer que, comment monsieur gang ça, il a puissant. Et puis, et tu dis, je voulais un peu du Dominicain avec Haïti, ça part disparaître. Et Dominicain continue à faire travail par eux. Bon, côté par eux, ça veut dire continuer l'opération d'importation haïtienne cap vient en République Dominicaine, sous frontière par, bon, ici, à États-Unis avec Mexique. Opération a continué tout, ça veut dire que immigrants continuent à arriver sur frontière pour demander asile, que ce soit ces latinos ou bien encore monde qui se tient en Caraïbes là, en Haïti. Mais ministre sécurité intérieure américain a parlé Alejandro Mayorkas qui lui-même tout gain pour lui faire face à un autre problème dans Congrès qui mettait en accusation. Eh bien, lui-même lui dit que l'idée qu'on a agir ici, on ne pourrait pas prendre la mer pour courir venir aux États-Unis, parce qu'il dit, puis nous mettons sur vous, eh bien, il y a des portes sans perdre du temps, et c'est ça que l'administration a fait. Il dit haïtien, surtout haïtien, utilisez moyens légaux qui gagnent à disponible pour que vous rentrez aux États-Unis, moyennant utiliser un port d'entrée
et surtout un aéroport pour rentrer aux États-Unis, mais pas prendre chance de venir sur frontière, etc. Donc, il est découragé. Il dit que concernant les compatriotes qui déjà aux États-Unis, qui ont un TPS ou bien programme et protection temporaire là, et bien, il dit que pour qu'on y a, et l'administration n'a pas gagné un plan pour lui reconsidérer Haïti encore, pour aller pour le tabac Haïti, on l'autre TPS encore. Il n'a pas gagné un plan et en fait, application, moun ki la yo, moun ki déjà sous place, l'application a fini en août, c'est 3 août. Donc, il était branché. C'est en dessous de dossier ça, parce que militants que cap défend l'immigration que me parle avec eux dit bon oui son bail yo connaît mais il a fait il faut contacter l'immigration, il a fait lobby justement pour dans qui mesure yo capable convaincre responsable pour rebail Haïti encore l'autre TPS en attendant que solution en bas résout parce qu'il fait connait que solution en bas pas douce bail pas bon du tout donc pas capable moun yo tourner etc. Donc pour qu'on y a jusqu'à présent dossier ça pendant et puis n'a dit que au même second permis de travail et cap expiré, eh bien, nous encourageons pour renouveler le permis de travail là, et automatiquement, vous voyez l'application, eh bien, l'application, permis de travail, vous voyez dans mon, parce que vu que quand si t'es mon cap fait demande pour permis de travail, eh bien, vous renouvelez pour automatiquement pour 540 jours, ça veut dire 6 mois, comparé avec 3 mois, comparé avec, 18 mois, 540 jours, c'est 18 mois, et comparé avec 180 jours, donc 6 mois, qui ont été conduits, le temps pour responsable et préparer documents pour recevoir. Donc ça veut dire que, sur non travail, travail très certainement capable de libération et permis de travail, permis de travail expiré, on a toujours montré que, ou t'es fabrication, faut montrer preuve qu'on fabrication, pour, et puis on montrer, communiquer ça, que, le département de sécurité intérieure a publié pour dire que lui-même, il bat 540 jours. Le temps pour le capable préparer le document. Donc, très probablement, le temps qu'on a recevoir le document, ça encore, il a été expliqué parce que vu que quantité de monde qui gagne. Mais l'autorité a battu un petit temps pour être capable, justement, préparer et document ça pour. Et puis, l'autre question que vous voulez parler avec nous, et bon, il n'y a pas pratiquement un an, et puis, l'autorité de l'Ancapaïtien, il a cherché des nègres là, tant qu'au chien fou, qui est censé t'as gagné pour eux avec yon cargaison d'âme que t'as découvert dans un bateau et dans cap haïtien ça passait vendredi autorité de faire fouille et bien t'es jeune bateau sans quantité c'est près de 26 âmes avec munitions et bien deux négros qui censé d'après avis de recherche et que autorité ont metté derrière yo, et m'a pas non m'a pas à le tromper mal baron l'autre on non monde qui c'est pas monde vraiment mais il y a deux monde que autorité a cherché c'est monde qui peut recevoir etc mais qui gagne dans maron et autorité mettons à vidéo recherche et puis je ne vais pas dire bah non si je mais mettons à vidéo recherche des de monsieur Sagelet ta recevoir ta gain pour job pour recevoir cargaison d'armes sacrées de déraper qui était de débarquer dans port et cap haïtien. Voilà, c'est ça me répond nous jeudi à c'est mardi nous en cas là. Donc mon mam on a préparé pour passer par l'autre et soirée on l'autre bon chaque fois ma amie c'est moi c'est 18 mai ça. Ouais, vous en 18 mai donc c'est compas festival. Donc nous étions dans compas festival l'année passée. Nous savez n'a pris tout encore si ça ne se fait là dans New York, mon yo t'es content, eh ben, nous pas faire mon mari, yo, pis content toujours, avec, participation dans un compas festival, présence dans un compas festival, côté que, très probablement, on a, en direct, sous territoire, gros monsieur, là, ça, c'est Kai Gentil, nous pouvons aller, c'est Kai, et Jean-Marc Abela, nous pouvons aller, et Kai Saint-Michel, donc, monsieur, dormi maintenant, mais nous, vente maintenant, mais nous, donc, nous avons un débat, là, m'la gué, non, mais nous, en bas, au point. Ah ouais. Eh bien, on a dit de passer une bonne semaine avec la Voix d'Amérique, matin, t'étais déjà clean. Eh bien, comme ça, on a bon temps d'aime, depuis le possible, on a bon temps d'aime deux mondes par jour. Information capable différent, capable de rencontrer, capable même tout. Mais, quand même, l'essentiel est toujours bon. Sous pas dans yon, ou ap dans l'autre là. Et sous pas dans l'autre là, ou t'es dans yon. Donc, dès que vous c'est pas un problème, on a rencontré avant. Bye bye tout le monde, passez bon après-midi. Et ancien président, et Donald Trump, c'est candidat pour parti républicain, mais logiquement, parce que Joe Biden a remporté les primaires, et
Donald Trump remporté primaire là en parti républicain, mais gagné un protocole, un itinéraire, gagné une culture dans la politique américaine nan, et dans la culture électorale là, et bien une convention pour le faire pour dire officiellement nous choisissons un tel et tel pour représenter le parti. En attendant, gagné une campagne qui a fait. En attendant, gagné un petit wash, yon a voyé sous l'autre. Et dernier en date là, c'est la proposition ancien président démocrate Donald Trump, qui lui-même journée aujourd'hui, parce que parti républicain, dans deux principales partis, parti républicain et parti démocrate là, yon chaque pour yon bagay. Yon c'est ça où il est en anglais pro-choice, ça veut dire parti démocrate là, pro-choice là, c'est la question avortement, dilatation. Il dit que lui-même lui bay droit pour yon moun choisi. Est-ce que ou enceinte dans en condition qu'on parle, yon bon droit pour retirer ti moun? Parce que yon bon choix, c'est ça en anglais, pro en faveur, choice, choix. Donc, li même, li d'accord avec ça, avec choix moun nan, qui a pral pote ti moun nan, maman ça, qui estime que ti moun nan fait nan condition que li même li pa vle, c'est pas l'idéal, eh ben, la partie démocrate la li même, li croit que do bay moun nan choix pour li capable décider de ti moun sa, de fœtus sa qui en devant li. Donc, ça toujours dans la campagne électorale, ça toujours dans la politique la même, et en opposition à parti républicain, les mêmes qui pro-life, même j'ai encore, pro en faveur, life, il est d'accord avec la vie, quelle que soit condition il y a. Il n'est pas d'accord avec avortement, il n'est pas d'accord avec dilatation. Quand il y a ça qui vient pigo, bah là, c'est que c'est connu, son bagage déjà établi, parti républicain, les mêmes, les pro-life, les en faveur de la vie, quelle que soit condition. Mais, candidat éventuel, en parlant de et Donald Trump, lui-même, il dit que le pas quoi que doit interdire avortement, dilatation dans tout pays. Il dit que il croit que c'est chaque État qui peut prendre décision pour contre lui. Si vous voulez pour life, si vous voulez pour choice, et, donc ça vient faire un gros tollé. Parti démocrate, parti républicain, lui-même, il n'est pas d'accord parce que c'est pas position, yo. Donc il n'est pas d'accord. En pile, il y a quelques leaders dans le parti républicain qui pas d'accord avec déclaration ça, pendant que Joe Biden lui-même, le démocrate lui-même, lui font moquerie avec ça, pour dire qu'il y a gens que, eh ben, son président ou l'aime des boys, on l'aime bon bagay, on l'aime pas bon bagay. Donc, c'est pour mettre dans l'ambiance électorale américaine, nous. Dans l'américaine, nous, dans le mois d'avril, nous connaissons que VOA a sous place, a bien convention. Chaque pays, chaque parti a pour faire convention, yon côté. Et VOA créole, toujours sous place. Donc c'est un metteur dans l'ambiance électorale. Mais dans l'ambiance électorale, tout, il y a parlé tout de politique internationale. Politique internationale, de immigration, et on va parler tout de, on va parler tout, et on déjà parlé de question guerre israélo et Hamas là. Parce que ça fait mon petit genre hésité, parce que en général, on parle de guerre israélo-palestinienne. Mais cette fois-ci, il est plus ciblé, il n'est pas palestinien, mais plus Hamas. Et ça fait que grand pile monde qui dit que et gros bagay ka fait moun ka pe de mouri nan Gaza, yo dou tout moun ki nan Gaza pa Hamas. Donc nan moment n'a parlé là et Israël font ti retrait, l'armée israélienne font retrait nan Gaza, mais nan même moment tout que c'est Galante, que c'est qui c'est ministre défense là et que c'est premier ministre là Benjamin Netanyahu, lui même yo dit il a préparé pour yon opération nan Rafah. Et Benjamin Netanyahu dit qu'on s'allie même pas trop loin de l'objectif là pour effacer totalement question Hamas là sous la terre bénie, dans le Proche-Orient, mais sous la surface de la terre. Et il dit que il pas qu'à réaliser ça, ça ne pas faire opération Hamas là. Et grand pilote et instance, notamment les États-Unis, notamment Nations Unies, Washington tout dit que ça pour erreur si Netanyahu décide de faire mener opération ça, non. Et Rafa. Donc, en situation que nous avons suivi pour vous, et puis nous avons noté tout que, yon l'information, c'est pour la première fois que Israël utilisait un système de défense antimissile dans la mer pour descendre un appareil. Excusez-moi, téléguidé qui a sorti dans la mer rouge là, et qui vient avec une sirène. Donc, ça, c'est technologie de guerre. Donc, c'est pour montrer que, eh ben, Israël lui-même, il continue à améliorer le système. Ni. C'est un gros allié, les États-Unis. Mais nous connaissons la politique là tout, gagner les Palestiniens, moun kap di et qui a critiqué l'administration Biden pour position, pour quelque position ni soutenir et Israël trop. Donc ça veut dire que leur président des États-Unis ou tiraillé ou déchiré entre
moun palestinien yo kap di ki jan ke administration bay trop soutien à Israël, mais Israël tout c'est un gros allié les États-Unis. Donc ça on tient compliqué, c'est monsieur spécialiste en sciences politiques qui a expliqué nous tout ça. Et puis gon l'autre information encore dans actualité internationale là, et ben gen la Turquie jodi madia qui imposé sanctions commerciales sous Israël. Et ça qui affecte un paquet de produits que yo gagné après que Israël décide pas faire vraiment un cessez-le-feu dans Gaza. Restriction ça yo gagne rapport avec commerce dans 54 catégories. Et dans catégorie ça yo joine fer, ou joine acier, ou joine ciment, ou joine gaz pour avion, carburant pour avion et en pile l'autre engrais. Bon moi prendre pour nous. Donc c'est restriction ça yo que et la Turquie prend compte et Israël, nous connaissons le président de la Turquie, et Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, eh ben, lui-même, il a tête baissée, ça, donc, c'est 54 catégories, mais là, dans la catégorie, ça y a eu, des éléments qui sont très importants, tant qu'au fer, tant qu'au acier, tant qu'au ciment, tant qu'au gaz avion, et puis l'autre engrais tout. Et Israël réagit, ministre israélien affaires étrangères, là, en parlant de Israël, Israël Katz, eh ben, il dit que, yo même yo engagé pour répondre par des mesures et parallèles contre la Turquie, mais yo affirmé que yo pas utiliser la violence avec l'extorsion par rapport à décision que la Turquie prend. Et puis gagné États-Unis qui pral voyer ambassadeur dans pays et ambassadeur dans Nations Unies et il pral voyer dans zone et Corée n'a retourné avec plus et détails sur ça. Donc, en gros, c'est ça, nous te gagnons pour dans détente ça, live tout chaud, et nous te gagnons dans détente ça, nous avons gagné Jean-Robert Pita, qui vient avec, on l'a détente pour nous capables de nous informer de ce qui a passé en Haïti, et à l'étranger, nous te parlé d'un scandale diplomatique qui gagne entre Équateur avec Mexique, sont questions qui devant les Nations Unies. Donc, nous avons gagné tout ça pour nous. Et pas oublier, et suivre Serge Rodriguez dans, et par contre, qu'il est là, Serge Rodriguez dans